Bonjour mes chers élèves de CO2, bienvenue sur votre chaîne Je communique TV. Alors aujourd'hui, on va voir la correction des devoirs. Alors prenez s'il vous plaît votre cahier d'activité pour l'arbre mot, page 60. On a ici deux activités, évaluation et remédiation. Deux parties, et chaque partie contient des activités. Trois activités pour chaque partie, évaluation et remédiation. J'explique maintenant les activités de évaluation. D'accord, on a trois. Trouver les infinitifs du verbe. Compléter avec les terminaisons du verbe du présent qui conviennent. Compléter avec les terminaisons du présent qui conviennent ici. Et à la fin, il faut compléter le top. Ce tableau est composé par l'infinitif du verbe et verbe au présent. Alors, j'explique beaucoup mieux. Trouve les infinitifs du verbe comme l'exemple de je donne. Par exemple, je donne ici, c'est un verbe conjugué. L'infinitif de ce verbe, c'est donne. Ici, complété avec les terminaisons du présent qui conviennent. Par exemple, on a ici finir. Nous, on dit nous finissons. On va mettre issant, d'accord? Nous finissons. Hein? N'oublie pas l'orthographe de ce verbe, c'est un peu difficile par rapport au premier groupe ou aux autres. Alors, deuxième groupe, c'est un peu difficile. Hein. Ne finissons. Alors, compléter le tableau, on a par exemple le verbe faire, on sait déjà que c'est un verbe de troisième groupe, il est beaucoup utilisé, surtout dans le thème scolaire, faire, je fais. On dit je fais, d'accord, avec F-A-I-S. Remédiation. Compléter les verbes, les phrases. Compléter les phrases avec les verbes entre parenthèses au présent. Ajouter un sujet par chaque phrase. Réécrire les phrases avec le sujet proposé. J'explique maintenant. Complète les phrases avec les verbes entre parenthèses au présent. Par exemple, ici, le verbe être. On doit conjuguer avec le professeur. C'est troisième personne du singulier. Le professeur est toujours à l'heure. Le professeur est toujours à l'heure. Ajoute un sujet pour chaque phrase. Choisis ton équipe avant de commencer. Choisis ton équipe avant de commencer. On dit tu. Tu choisis ton équipe avant de commencer. Tu choisis ton équipe avant de commencer. Tu choisis ton équipe avant de commencer. Tu. Alors, écris les phrases avec le sujet proposé. Par exemple, ici, il, avec S, on dit ils aident, ils aident ce vieil homme à traverser. J'aide ce vieil homme à traverser. Ils aident ce vieil homme à traverser. Alors, dans quelques instants, je vous propose la correction, mais il vaut mieux de faire vos efforts et entendez bien sûr la correction dans quelques instants. Mettez stop sur la vidéo, mettez stop, effectuez le travail hein, et après relancez la vidéo pour voir la correction. Voilà, c'est ça ce qu'on appelle la meilleure façon d'être fort en français. Hein. Trouve les infinitifs des verbes. Pour je donne, nous trouvons, elle marche, vous cultivez, tu soulignes, on explique. Alors, je donne, c'est le verbe donner. D'accord? Et nous trouvons, c'est le verbe trouver. Pour elle marche, c'est le verbe marcher. Et vous cultivez, c'est le verbe cultiver. Et tu soulignes, c'est le verbe souligner. On explique, c'est le verbe expliquer. Alors, tout ce verbe appartient au premier groupe. Complète avec les terminaisons du présent qui conviennent. On dit nous finissons. D'accord? Avec issant. Ici, il rougit. Avec ité. Ici, vous rougissez. Il grandit. Vous maigrissez. Il remplit.
Complète le tableau. Infinitif du verbe en infini. Faire, dire, venir, dire. Venir aussi. Alors, il y a faire et dire et venir. Pour le verbe présent, on dit je fais. Pour le dire, on dit nous disons venir, ils viennent, vous dites. Pour venir, tu viens. D'accord? Tu viens. Alors, faire, on dit je fais. Dire, on dit nous disons venir, on dit ils viennent. Dire, on dit vous dites. Venir, on dit tu viens, tu viens. N'oublie pas d'apprendre par cœur le verbe faire et le verbe dire. La conjugaison de ces deux verbes qui appartiennent au troisième groupe. Voilà. On passe maintenant à la partie de remédiation. Je vous propose maintenant la correction de remédiation. Alors, complète les phrases avec les verbes entre parenthèses au présent. On dit le professeur est. D'accord, c'est le verbe être au présent. Le professeur est toujours à l'heure. Pour le verbe aller, on dit tu vas remercier ta famille pour ce cadeau. Pour le verbe avoir au présent, on dit les élèves ont écouté les conseils avec attention. N'oublie pas qu'ont écouté, c'est le passé composé de verbe écouter. On utilise ici l'auxiliaire avoir, plus le participe passé pour construire le passé composé. Nous sommes polis avec nos aînés. Alors, le professeur est toujours à l'heure. Tu vas remercier ta famille pour son cadeau. Les élèves ont écouté les conseils avec attention. Nous sommes polis avec nos aînés. Maintenant, deux. Ajoute un sujet pour chaque phrase. Ajoute un sujet pour chaque phrase. Alors, on dit, tu choisis ton équipe avant de commencer. Tu. Pourquoi tu? Parce qu'on a ici ton équipe avant de commencer. Tu choisis ton équipe avant de commencer. Vous bondissez de joie après votre victoire. Ils finissent leur partie de domino. Nous agrandissons le terrain de jeu. Nous agrandissons, ça veut dire devenir grand. Grandissons, nous agrandissons. Agrandir, c'est devenir grand. Il saisit rapidement la balle. Tu choisis ton équipe avant de commencer. Vous bondissez de joie après votre victoire. Ils finissent leur partie de domino. Nous agrandissons le terrain de jeu. Il saisit rapidement la balle. Alors ici, ce sont tous ces verbes, ça. Oh, tous ces verbes au deuxième groupe. Oh, n'oublie pas ça. Qu'est-ce qu'il reste? Il reste la dernière activité de remédiation. J'espère que vous avez bien travaillé. Et bien sûr, il y a des fautes. Il faut corriger. C'est ça le bon travail. Récris les phrases avec le sujet proposé. Et nous demande tout simplement de réécrire les phrases avec le sujet proposé. Comme l'exemple de il au lieu de je, tu au lieu de nous, mes parents au lieu de ma mère. J'aide ce vieil homme à traverser. Nous ramassons des légumes pour ma grand-mère. Ma mère emmène notre voisine en voiture. Alors on dit, elles aident ce vieil homme à traverser. Ils aident avec ONT. Tu ramasses des légumes pour ma grand-mère. Il faut séparer. Mes parents emmènent notre voisine en voiture. Alors, tous ces verbes, c'est à partir du premier. Aider, ramasser et emmener. Et pour deuxième activité, tous ces verbes à partir du deuxième groupe. Et pour le reste, soit au premier groupe. Surtout le verbe être pour avoir et le verbe aller. Alors, tous ces verbes à partir du troisième groupe. Être pour avoir et aller. J'espère que cette vidéo est bénéfique pour tout le monde. Vous avez bien corrigé vos fautes. Vous ne faites plus de. Vous n'en faites plus la prochaine fois. Alors,
Au revoir, à la prochaine, c'est avec vous, Jeux Dominique TV sur YouTube. Attendez plus de vidéos. La langue française pour être fort en français, mes chers élèves de la classe de CE2 et d'autres classes aussi. Partagez la vidéo partout dans le monde.